Eh bonjour, aujourd'hui on va faire un autre truc un peu spécial. On va faire une chanson d'ailleurs qui marche très bien en ce moment. Docteur, un jour je marierai un ange de Pierre de Maher. Voilà, mais par contre en trois niveaux. Allez, j'ai fait ce niveau-là, vous voyez, avec les accords capo 3, mi mineur, ré, avec un 6-7, comme ça il n'y a pas de barré et un do. C'est le plus facile. Après, bon, on va mettre la vidéo parce que moi j'ai pas la voix de ce type-là. Le deuxième niveau, la mineur, sol, mi, mais il y a un fa, pour ceux qui commencent à savoir faire le fa. Et le troisième niveau, le truc officiel normalement, bon, par contre c'est que des barrés, c'est un sol mineur, fa, ré mineur, mi bémol. Avec les paroles, je vous ferai voir ça après. Bon, pour l'instant, voilà, on va coller ça, on va commencer par... Avec la vidéo, on va commencer par le plus facile, capo 3. Donc c'est un mi mineur, ré mi, ré, 6-7 et un do. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. On prierait pour que rien ne change. Que je sois rentré dans les âges. Donc là, je vais mettre la petite vidéo quand même. Ça sera mieux. C'est parti. Voilà, donc première version facile. Donc, je vous avais vu les accords mi mineur. Donc, je vais vous faire voir la feuille, comme ce sera peut-être plus facile à expliquer. Ça durera moins longtemps en même temps. Voilà, donc là on était sur la première version. Mi mineur, ré. Là j'ai mis 6-7 ou 6 mineur. Mais bon, pour les débutants, 6-7, déjà que le 6-7 est déjà pas évident à faire. Voilà, ça c'est. Avec les paroles et ça continue, c'est 7 avec ici, quand on met à tout ça. Ça c'est la première version. On va faire la deuxième version qui est celle-là. On peut la faire sans capot ou alors un capot en deuxième case, mais là on aura un fa. Voilà, on va continuer. Donc là ça commence par un la mineur, ça change de tonalité, c'est sûr. Thank you.
deuxième version. Voilà, avec les paroles, les endroits où sont placés les accords. Donc c'est ça. Avec l'autre partie. Voilà. Bon, c'est juste parce que ça va être un peu long pour éviter. Je préfère expliquer. Mais bon, pour les gens voilà, qui ont du mal à voir. Mais là, on n'aura pas trop le temps. Donc là, par contre, la version, la dernière, c'est la plus dure pour ceux qui savent faire les barrés. Je crois que c'est la version que lui, il fait. C'est donc un sol mineur en troisième case. Fa, première case, Ré mineur en cinquième case en bas et à côté Mi bémol. Allez, on continue. Ça continue. Voilà, je vais vous faire voir la feuille de celle-ci, donc avec ses accords, bon, avec la rythmique aussi, on peut la changer. Voilà, ça se met comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, comme ça, l'autre partie. Après, c'est toujours les mêmes accords, hein, une fois qu'on sait les faire, le sol mineur, le fa, le ré mineur et le mi bémol. Voilà. Ces choses-là. Voilà, si je vais expliquer les accords pour ceux qui débutent quand même un peu. C'est comme un mi mineur qu'on décale, le barré en troisième case, et on met les doigts comme le mi mineur, on la met en cinquième. Donc ça, c'est un sol mineur et on gratte toutes les cordes. Fa, on va, ça revient souvent, on barre la première case, et c'est la forme aussi d'un mi majeur. Donc, là, le sol, c'est un mi mineur parce qu'on ne met pas le majeur. Et quand on revient au fa, il faut mettre le majeur. Voilà. Après, on revient au ré mineur. C'est la forme du la mineur qu'on décale le barré en cinquième. Et après, on a le majeur sur la deuxième, dans la sixième case, deuxième corde. Et après, les deux autres doigts, ils sont dans la septième case sur la troisième et quatrième corde. Et par contre, on évite de gratter la première. On la coince avec l'index. Et à côté, le mi bémol. Le mi, il est là. Bémol, c'est la case d'avant. Donc, on appuie avec l'index sur la cinquième corde de la sixième case. Et après, avec l'autre doigt, on évite de faire sonner la petite. Et on appuie dans la... Donc là, on a 6, 7, la huitième case sur la 2, 3, quatrième corde. Mi bémol. Et c'est toujours ça. Et ça revient. Sol mineur, fa, ré mineur, mi bémol. Et c'est toujours les mêmes accords. Au début, voilà, vous pouvez entraîner comme ça, tout doucement. Voilà, doucement. On revient. Ré mineur. Si bémol. Et ça, il faut quand même avoir une bonne année d'expérience pour ces petits barrés qui sont bien chiants, je vous l'admets. Bon, bah, à bientôt. Docteur, un jour, je me marierai un ange. Bizarre un peu. À bientôt.